Bonjour à tous, en particulier ceux qui nous écoutent à distance, que ce soit en direct ou en différé. Bonjour et bienvenue à notre culte du 18 juillet 2021. Et nous commençons par écouter les paroles du psalmiste. Et j'espère qu'elles expriment notre sentiment, notre désir. Elle dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et toute ce désir, cette expression du psalmiste se centre sur la tente de l'Éternel, le tabernacle, là où la paix était faite sur le propitiatoire. Et nous voulons ouvrir notre livre de cantiques ce matin au numéro 10. L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Il n'y en a pas d'autre. Et la conséquence, qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le numéro 10. L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui et tout puissant à ma requête, un prompt secours prêtera. Et dans le fort de la tempête, sur un rocher, Seigneur, exauce ton enfant. Tu me dis de chercher ta face, et je la cherche, ô Dieu vivant, ô Dieu vivant. Mes yeux que mon Sauveur m'accordera. Aussi mon cœur plein d'assurance en l'attendant s'affermira. Et je vous invite à vous courber dans la prière, prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le seul appui pour ton peuple, nous tournons vers toi. Nos regards
sont sur toi comme ceux de la servante, sont sur sa maîtresse pour obéir, pour avoir chaque aperçu de ses désirs. Seigneur, nous voulons communier avec toi. Et ce matin, tu nous donnes de nous réunir, tu nous donnes de venir devant ta parole, dans ta présence, et nous te prions, Seigneur, ne nous abandonne pas. Agis dans ta miséricorde, dans ta grâce, Seigneur, fais-nous du bien et donne-nous surtout, Seigneur, de pouvoir communier avec toi, d'avoir ce sentiment réel de ta présence. Nous devons reconnaître que notre chair, le monde, notre ennemi, font toutes choses pour que nous ne ressentions pas ta présence, bien que tu sois là. Et Seigneur, nous te prions que tu entoures ton peuple dans ces instants et tu nous donnes à chacun de pouvoir marcher avec toi et te voir agir, Seigneur, en nous et autour de nous. Sois béni et glorifie ton nom parmi nous. Nous te prions en Jésus-Christ. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu pour une lecture dans un passage très connu dans le livre de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53. Et nous allons lire quelques versets. Donc le livre d'Ésaïe, chapitre 53, et veillons à ce que la familiarité avec ces paroles ne nous dérobe pas la puissance des paroles. Le prophète donc, ici, va parler de la part de Dieu, c'est un oracle, et il est très probable que ce qu'il a dit l'a beaucoup interpellé, et il est très probable qu'il ait été ensuite à s'asseoir, à méditer et à demander au Seigneur de lui révéler qu'est-ce que vraiment ce passage voulait dire. Et comme le dit Pierre, il lui fut révélé que c'était non pas pour lui seulement, mais pour la fin des temps, pour l'âge de l'Église, que les souffrances de Christ lui étaient décrites par l'Esprit. Donc, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et en termes hébraïques, cela amène une réponse négative. Peu de gens. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche.
il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Et c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes, nous réjouissons en Christ parce que Dieu est allé jusque-là. Voilà la force, voilà l'assurance, voilà le rocher du croyant. C'est ce que Dieu a fait pour le salut de son peuple. Et tout cela est en Christ, et il ne reste rien d'autre. Et donc, quelles que soient les expériences, les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous voulons nous accrocher à ce qui ne bouge pas, ce que Dieu a fait en Christ. Et nous allons nous réjouir en cela, nous allons nous affermir en cela, et nous voulons chanter maintenant au numéro 117, le cantique 117, « Chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleur. » Et tout de suite, nous voyons que nous n'avons pas affaire à un chef du monde, parce que les chefs du monde, ils posent un poids sur le peuple. Ici, voilà un chef qui sert, voilà un chef qui se fait tout pour le salut de son peuple. Donc chantons avec la réjouissance dans notre cœur au numéro 117. Chef couvert de blessures, meurtri par nous pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre de douleur, des splendeurs éternelles, la guerre c'est d'épine cruelle qu'on te voit couronnée. C'est ainsi que tu paies le prix de ma rançon, tes langueurs et tes plaies. Voilà ma guérison, mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. Daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi que puis-je faire, que t'offrir en retour, par du moins Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle et rien jusqu'à la fin ne pourra Dieu fidèle me ravir.
des merveilleuses paroles que je vous invite à revenir, à méditer, à loisir, et voir le poids de ces paroles. Elles ne sont pas inspirées, mais elles sont très belles. Venez avec moi pour notre deuxième lecture dans la lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous commencerons la lecture au verset 13. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et nous lisons, c'est la parole de Dieu. « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et ainsi, nous voyons que l'Éternel en Christ est le rocher du croyant, quelles que soient les circonstances qu'il traverse. Mais la chose à regarder aussi, c'est que c'est le Seigneur qui donne cette expérience de proximité de lui et de sa présence, et cette fermeté, elle ne vient pas de nous, elle vient de lui. Et c'est donc avec confiance que nous pouvons nous approcher de lui à chaque moment, même que ce soit au moment dans la joie, que ce soit dans l'épreuve, nous pouvons venir à lui, parce que il nous attire en Christ par son Saint-Esprit. Prions le Seigneur, courbons-nous devant ce Dieu de grâce, prions. Seigneur notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants, combien nous sommes emplis de gratitude à la pensée que tu es le Dieu que tu te révèles être dans ta parole. Ce Dieu qui est à la fois le Dieu de justice, le Dieu de sainteté, qui ne peut pas supporter le péché, qui doit réagir face au péché, et en même temps, Seigneur, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de grâce, parce que tu as conçu ce dessein de rédemption, ce salut en Christ, et par la puissance de ton esprit, tu l'accomplis chaque jour davantage, tu touches les cœurs, tu affermis ton Église continuellement. Oh, combien nous sommes bénis, Seigneur, d'avoir un Dieu tel que tu es. Nous regardons le monde et parfois nous devons reconnaître que notre chair envie ce monde, car tout semble lui sourire, mais la réalité, c'est que même quand les choses vont bien pour le monde, ils n'ont pas d'appui. Ils n'ont personne sur qui se reposer. Et ces idoles dans lesquelles ils se confient, ces idoles sont des idoles qui sont brisées, qui ne peuvent pas supporter leur poids. Seigneur, donne-nous de mesurer, en quelque sorte, toute la bénédiction dont nous bénéficions en Jésus-Christ. Nous sommes
bénis par ta grâce, Seigneur, nous ne méritons rien. En fait, nous méritons ta colère. Et même, en marchant sur le sentier, combien de fois, Seigneur, nous trébuchons et nous nous affalons de tout le long. Mais tu es bon, et en Christ tu nous relèves, parce que il a accompli l'œuvre parfaitement, il a fait la paix. Quel mot merveilleux, Seigneur. Et nous te prions que ton peuple aujourd'hui, partout sur la terre où il est, dans toutes les circonstances où il est, puisse goûter de cette paix qui est en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour les besoins de ton Église, surtout les besoins locaux, Seigneur. Nous te prions pour, en particulier pour Hans, Sylvie et les enfants, pour cette semaine qui s'ouvre avec toutes les difficultés, les appréhensions, la peur du lendemain. Ô Seigneur, que tu gardes cette famille dans le creux de ta main, cette main qui est remplie d'amour. Seigneur, nous te prions pour notre sœur Laure et pour sa famille, avec cette nouvelle circonstance, encore la maladie. Ô Seigneur, là encore, c'est ta paix que nous convoitons. Nous ne pouvons pas savoir ce que tu feras, nous ne pouvons pas voir l'avenir, mais Seigneur, nous savons qu'il est entre tes mains et que tu es le Dieu qui est tout sage. Mais la paix du cœur qui est si difficile, que notre chair nous dérobe si facilement, Seigneur, donne à chacun de tes enfants la paix, cette paix continuelle. Et nous voyons aussi d'autres circonstances, peut-être des moments où nous avons dû abandonner les choses habituelles pour répondre à ton appel, pour servir, pour manifester ta compassion aux autres. Ô Seigneur, pose ta main et donne la paix. Car tu es le Dieu de paix, parce qu'en Jésus-Christ tu as fait la paix. Il y a le sang qui recouvre ce propitiatoire, et maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Et Seigneur, cela vaut la paix. Ô, nous te remercions, nous te louons, Seigneur, et nous voulons glorifier ton nom, mais nous ne le pouvons pas, sinon que tu nous donnes la force. Donne-nous de nous enrichir richement dans ta parole, continuellement. Et alors que nous allons venir à ta parole dans un moment, Seigneur, que ta parole va être ouverte, une parole qui est souvent obscure et bizarre, Seigneur, va nous être ouverte et appliquée. Et nous te prions, Seigneur, que toi, tu ouvres nos cœurs et tu nous donnes la force de ton esprit pour appliquer ces choses et marcher en nouveauté de vie avec la puissance de Christ. Ô Seigneur, sois béni et conduis ton peuple, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, je vous invite à chanter au 195. C'est un cantique que parfois nous chantons lors de la scène, un peu plus difficile quand dans la période que nous vivons, mais c'est surtout le pain de vie qui est la parole de Dieu. Romps-nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie. Et c'est un cantique, mais c'est aussi une prière, le 195. Romps-nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le Saint-Livre à notre foi.
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges au chapitre 11. Et nous continuons notre série dans ce livre et nous allons lire les versets 1 à 28. Juges chapitre 11, les versets 1 à 28. Et voici la parole de Dieu. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef. » Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon. Et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Verset 14, Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoyait des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays ». Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa.
et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sihon n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz et combattit Israël. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sihon et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Verset 28. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephté lui fit dire. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu quelqu'un dire une phrase du genre « J'ai déjà pris ma décision, alors ne me dérangez pas avec les faits ». Généralement, la personne dit cela pour rire, parce qu'une personne qui dirait cela réellement serait stupide. Le bon sens suffit pour nous dire que préférer mon opinion ou ma préférence par rapport à la vérité, c'est de la folie, la folie pure. Mais c'est tellement facile pour nous de tomber dans ce piège. Et le conflit ultime, en fait, est entre ce que je ressens et ce que Dieu dit, ou ce que Dieu a dit. L'histoire de Job, par exemple, est un de ces exemples majeurs qui montrent que Dieu n'est pas aussi intéressé par la façon dont nous nous sentons qu'il l'est par notre obéissance à sa parole. Job sentait qu'il avait raison. Job sentait que Dieu était injuste avec lui. Mais après que Dieu lui ait révélé juste une petite portion de sa gloire et de sa majesté, Job, le serviteur de Dieu, répond en Job 42, les versets 2 et suivants, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Beaucoup de chrétiens professants sont d'accord avec cette conclusion de Job. Nous sommes d'accord que s'il y a un conflit, à la fin, c'est Dieu qui est vrai, et nous qui sommes soit ignorants, soit rebelles. Nous sommes d'accord avec cette conclusion jusqu'à ce que nous lisions la fin de l'histoire de Job. Verset 11 du chapitre 42. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Notre nature humaine recule devant l'idée que c'est Dieu qui a amené toute cette épreuve sur Job. Non, non,
Dieu ne ferait jamais une telle chose. Et pourtant si, parce que c'est Dieu qui a permis à Satan d'avoir la main libre avec Job. Et on voit combien il est facile d'arriver à des conclusions qui sont basées sur ce que l'on ressent, au lieu d'arriver à la vraie conclusion selon la parole de Dieu. Et Jephté s'est trouvé dans un conflit, dans un tel conflit. Le roi des fils d'Ammon accuse Jephté et les Israélites d'avoir pris son territoire. Jephté lui explique ce qui s'est réellement passé, mais le roi des fils d'Ammon ne voulait rien entendre. Et quand nous sommes face à un conflit, devons chercher à être ceux qui font tout pour d'abord connaître la vérité, plutôt que d'être ceux qui se font leur propre idée et qui ensuite refusent obstinément d'en changer parce que nous pensons que changer est un signe de faiblesse. Alors, premier grand point, la vérité n'est pas toujours facile. Et c'est les 11 premiers versets de ce chapitre 11, petite A, ceux qui prennent les notes. Tous ceux qui sont différents de nous ont tort. C'est une conclusion populaire, n'est-ce pas? Et les contemporains de Jephté sont arrivés à cette conclusion. Jephté était un vaillant guerrier, mais il ne correspondait pas tout à fait à la norme acceptable. Verset 1, Jephté le Galaadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Le terme, le chapitre commence avec cette phrase « Jephté le Galaadite ». Et en fait, c'est la réponse à la question qui a été posée à la fin du chapitre 10, au verset 18. « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ?» La réponse, c'est Jephté. Jephté est un vaillant guerrier, mais il est aussi fils d'une prostituée, un peu comme Abimélec, le buisson d'épines qu'on a vu au chapitre 10. Et sa famille l'a rejeté parce qu'il n'est ne correspond pas à leur norme. De même qu'Abimélec a été rejeté par les siens. Le père de Jephté était un membre de la famille noble des Galaadites. Ils ont peuplé la région de Galaad à l'est du Jourdain. Et ils n'étaient pas particulièrement méchants. En fait, comparé à notre culture, peu de cultures ont exalter la prostitution et la libération sexuelle comme notre culture le fait, comme les cultures modernes le font. Et bien que les pères, au temps de Jephté, aient des relations sexuelles en dehors du mariage, les descendances de ces relations étaient souvent bannies. Cela ressemble à l'hypocrisie d'une culture qui a rejeté le vrai Dieu pour servir les faux dieux imaginaires. Et il semble que les gens qui sont rejetés ont tendance à recueillir d'autres personnes qui sont rejetées. Et c'est le cas pour Jephté, verset 3. Jephté s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté et ils faisaient avec lui des coups de main. Les frères de Jephté lui ont fait sentir qu'il était sans valeur. Alors des gens sans valeur se sentaient à l'aise avec Jephté. On pourrait les comparer à des pirates du désert, de l'ancien temps, des personnes qui faisaient des coups, qui allaient voler, dérober les caravanes, dérober les tentes pour chercher leur nourriture. Cette situation ressemble à celle de David, quand le roi Saül l'a chassé du palais, seulement pour voir des centaines de personnes qui étaient des marginaux dans la société de l'époque se joindre à David dans la caverne d'Adullam, 1 Samuel chapitre 22. Je me demande si c'est de cette façon que le monde considère les chrétiens, en particulier dans les pays qui persécutent ouvertement et
effrontément les croyants. La communion des croyants est très précieuse. Le fait de se retrouver est quelque chose de très précieux. Et plus notre culture devient pécheresse, plus il est important pour nous de nous rassembler avec d'autres chrétiens. Et le monde va conclure que c'est la pratique des marginaux, la pratique des rejetés de la société qui se retrouvent un dimanche matin ou un mercredi soir. C'est un terrible exemple d'hommes pécheurs qui disent que la lumière est ténèbre et que les ténèbres sont lumière. Jephté a été exclu pour des raisons évidentes, mais Dieu avait l'intention d'utiliser cet homme dans son œuvre. Petit B, l'Éternel a réveillé les fils d'Ammon contre Israël. Verset 4, quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Ce n'est pas une coïncidence que les fils d'Ammon ont fait la guerre à Israël. On a vu en Juges chapitre 10, verset 6, que c'est la première fois dans cette partie de l'histoire d'Israël où lorsque Israël a choisi d'adorer les faux dieux, il s'est tourné vers les dieux, les faux dieux d'Ammon, des fils d'Ammon. Et l'histoire de l'homme pécheur révèle souvent que le péché avec lequel l'homme a flirté, avec lequel l'homme a joué, ce péché devient son maître et finalement son destructeur. Et l'oppression de la part des fils d'Ammon était bien le plan de Dieu pour son peuple. Et en réponse à l'œuvre de Dieu, les chefs de Galaad se sont tournés vers le vaillant guerrier qu'ils avaient pourtant rejeté. Verset 5, comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Cette offre de la part des chefs de Galaad semble être plutôt osée, et elle est surtout hypocrite. On ne voit pas de preuve d'une confession de péché, de leur péché envers Jephté. On ne voit pas de preuve qu'ils demandent le pardon. Mais là encore, l'hypocrisie était un trait commun pour ces chefs qui rejetaient Dieu de la même manière qu'ils avaient rejeté Jephté. Et on ne peut pas passer à côté de la preuve évidente de l'hypocrisie si on suit simplement la séquence de ce jugement de Dieu. D'abord, quand les fils d'Ammon ont commencé à semer le trouble, il y a eu une confession de la part du peuple d'Israël. On l'a vu en Juges chapitre 10, verset 20. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et Dieu, à leur confession, a réprimandé le peuple d'Israël, toujours au chapitre 10, versets 13 et 14. « Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Et en réponse à la réprimande de Dieu, nous découvrons la repentance parmi le peuple d'Israël. Toujours au chapitre 10, verset 15, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Tout cela est très bien, mais après s'être prétendument réconcilié avec Dieu, qu'est-ce que les chefs ont fait? Ils sont partis chercher l'aide d'un autre homme. Ils sont partis chercher l'aide d'un autre homme, d'un sauveur, d'un libérateur humain. Et ce sauveur humain, ce libérateur que les chefs sont allés chercher, les a mis au pied du mur, verset 7. Jephté répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Et la réponse est plus qu'étrange. Verset 8, les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef.
celui de tous les habitants de Galaad. Ça ressemble à une confession. C'est comme s'il disait, oui, nous t'avons chassé, mais nous réalisons maintenant que nous avons besoin de toi. Mais c'est le même genre de confession de repentance superficielle, hypocrite, que le peuple d'Israël a offert à Dieu maintes et maintes fois dans son histoire. Notre nature humaine est si trompeuse. Et très souvent, nous ne sommes pas meilleurs que ces hypocrites quand il s'agit de confession ou de repentance. Dieu apporte la correction dans la vie de son enfant rebelle. L'homme ou la femme réalise que la correction vient à cause d'une pratique ou d'une habitude pécheresse. Il ou elle confesse, dit à Dieu que sa liaison avec le péché est terminée. Et peu de temps après sa confession, l'enfant est de nouveau dans le même lit avec le péché. Le changement réel n'a pas eu lieu. Et pourtant, le changement réel est nécessaire pour une victoire réelle. Mais ce changement réel ne peut être et n'est que l'œuvre de Dieu, parce que l'homme ne peut pas changer son cœur lui-même. Petit C, l'Éternel allait faire du guerrier rejeté le chef de son peuple. Et nous lisons dans les versets 9 à 11, « Jephté répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephté partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Remarquez comment Jephté, ce fils rejeté d'une prostituée, met Dieu au centre de cette offre. Pour Jephté, le peuple pouvait faire ce qu'il décidait de faire, mais la victoire appartient à Dieu seul. Et que l'Éternel les livre devant moi. Les chefs de Galaad ont fait une alliance avec Jephté en invoquant Dieu comme témoin. Est-ce que c'est ce même Dieu qu'ils avaient rejeté pour aller servir les faux dieux imaginaires? Jephté aurait pu penser que leur contrat avec lui n'avait pas beaucoup de valeur. Mais en lisant le texte, on voit que la foi de Jephté est placée en Dieu et non pas dans les paroles des chefs capricieux de Galaad. Jephté, lui, il regarde à l'Éternel. « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, que l'Éternel les livre devant moi, alors je serai votre chef. » La vérité dans cet épisode chaotique, c'est que le combat du peuple d'Israël avec les fils d'Ammon est en réalité la bataille de Dieu. Il l'avait créé comme une correction pour son peuple. Il voulait corriger le peuple d'Israël. Que les chefs devaient s'humilier devant l'homme qu'ils avaient rejeté, ça c'était le plan de Dieu. Dieu a humilié le peuple d'Israël devant ses ennemis. Maintenant, il humilie le peuple devant Jephté. La vérité n'est souvent pas facile parce qu'elle exige l'humilité pour qu'on l'accepte. Mais le deuxième grand point, la perception n'est pas la vérité. Et petit a, encore une fois, perception et accusation. Il y a un principe important en jeu ici. Il y a un dicton qui dit « la perception est la vérité » ou « la perception est la réalité ». Et cette affirmation est souvent appliquée dans des conflits personnels. Par exemple, si Monsieur A perçoit que Monsieur B est dans l'erreur à cause de ce qu'il a dit, en ce qui concerne Monsieur A, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais qu'en est-il si Monsieur A a mal compris ce que Monsieur B a dit? Qu'en est-il si Monsieur A ne connaît qu'une partie du contexte
de la conclusion à laquelle M. B est arrivé. Qu'en est-il si M. A a déjà pris sa décision sur la question et donc que rien de ce que dira M. B ne pourra le faire changer d'avis? Le cœur humain ne va pas bien. Et à cause de cela, il n'arrive pas toujours à des conclusions justes ou équitables. Et Dieu nous apprend par le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Et on dit cela, nous avons besoin d'une règle de mesure plus fiable pour la vérité. Alors lisons la conclusion de l'évaluation de Jérémie, toujours chapitre 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Nous pouvons être sûrs que lorsque Dieu donne une instruction sur une question, lorsqu'il commente une question, lorsqu'il révèle sa volonté sur une question, ça, c'est la vérité. Et donc, il faut conclure que la perception humaine n'est pas la vérité. Souvent, ce que je perçois comme étant une évidence n'est pas du tout une évidence. Ce que je perçois comme étant la seule conclusion possible peut être, en fait, l'erreur. Je ne connais pas toujours toutes les facettes d'une histoire. Je ne connais pas non plus tous les contextes que les personnes ont traversés pour arriver à leur conclusion. Et à cause de ces réalités, il est toujours plus rassurant de trouver une déclaration définitive de la part de Dieu sur une question particulière. D'où l'importance d'étudier la parole, d'être imprégné de la parole de Dieu, afin d'appliquer les principes de Dieu sur un plan général ou ses déclarations particulières sur une question bien précise. Alors appliquons ce principe à l'histoire de Jephté. Jephté avait besoin de savoir pourquoi ce conflit existait. Verset 12, Jephté envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» La première étape dans la résolution d'un conflit, c'est de découvrir la cause de ce conflit. Et cela demande, pratiquement toujours, de la communication. Dans les conflits très sérieux, on demande aux médiateurs de poursuivre la communication parce que crier ou menacer ne sont pas synonymes de communication. La question simple est, quel est le problème? La réponse simple à cette question, ce n'est pas « tu sais quel est le problème ». Même si c'est la réponse que l'on entend le plus souvent. Mais dans cette affaire, la majorité ne détermine pas la réponse correcte. Quand on pose la question au sujet de la cause d'un conflit, quelqu'un doit expliquer cette cause. Et dans le conflit de Jephté, la cause remontait à plus de 300 ans. Verset 13, le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephté, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays. » L'accusation de l'adversaire était que lorsque Moïse a conduit le peuple d'Israël vers la terre de la promesse, le peuple a pris un territoire appartenant aux ancêtres des fils d'Ammon. Alors il est vrai que le peuple d'Israël a traversé cette région quelques siècles auparavant, nombre 21. L'objet de ce conflit, l'objet de cette accusation, c'était une région entre les rivières Arnon et Jabbok. Les chefs des fils d'Ammon le disent à la fin du verset 13, « Depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré. » Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Il est vrai que Dieu avait donné une partie du territoire dans cette région comme héritage à la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé, mais leur possession était à l'ouest, contre la mer morte. Alors comment fait-on pour gérer une accusation que vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas,
Comment gérer n'importe quelle accusation? À un moment donné, la vérité doit faire surface, d'où petit b, la vérité révélée. Et Jephté prend le temps pour bien expliquer ce qui s'est passé. Il envoie des ambassadeurs, des messagers pour livrer une lettre officielle remplie de l'autorité de Jephté. Verset 14, Jephté envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon. Et son argumentation a 4 points. Un point historique, un point théologique, un point personnel et un point chronologique. D'abord le point historique, versets 15 à 22. Le fait était que le peuple d'Israël n'a jamais pris le territoire des fils d'Ammon. Verset 15, pour lui dire, « Ainsi parle Jephté, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. » Quand on relit l'histoire, on voit que le peuple d'Israël avait demandé la permission de traverser Édom et Moab, mais leur demande a été refusée. C'est ce que Jephté leur dit. Verset 16, « Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, il est arrivé à Kadès. » Alors Israël envoyait des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. L'histoire montre que le peuple d'Israël a contourné Édom et Moab par l'est et est arrivé à la rivière Arnon, verset 18. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Et de plus, les faits prouvent que le roi Sion avait décidé d'attaquer le peuple d'Israël, que l'Éternel avait défendu le peuple d'Israël, qu'il avait vaincu. Et cela voulait toujours dire que le peuple du vainqueur possède la terre du peuple vaincu. Israël a donc possédé la terre de Sion, qui n'est pas le pays des fils d'Ammon. Israël, verset 19, envoyait des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz, et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les bâtit. Israël s'empara de tous les pays des Amoréens établis dans cette contrée. Le fait est que le pays des Amoréens est à l'ouest du pays des fils d'Ammon. Verset 22, ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et ils ont été à l'ouest. Voilà des faits historiques de tous ces événements qui s'étaient passés plus de 300 ans auparavant. Deuxième point dans l'argumentation de Jephté, c'est un point théologique, versets 23 et 24. « Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Chemosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? L'Éternel a donné le territoire des Amoréens au peuple d'Israël. Les Amoréens ne servaient pas l'Éternel et ils ont été jugés. Ils servaient des Baals, ils servaient les Astartés, d'autres faux dieux imaginaires. Ils auraient dû se contenter de posséder ce que leur Dieu imaginaire leur donnait. Laisser Israël posséder ce que Dieu, l'Éternel, leur donnait. Il y a une implication importante à ce principe. À tous les croyants. Nous profitons de tout ce que Dieu nous donne. Et c'est un argument très important pour nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas particulièrement possessifs des choses terrestres comme les maisons ou des terres. Mais Dieu nous a donné des bénédictions, des promesses éternelles en Christ et dans sa parole. L'ennemi cherche à nous enlever ces choses. L'ennemi insiste que nous avons fabriqué des vérités au sujet du mariage, au sujet du meurtre d'innocents dans le ventre de leur mère,
au sujet de l'obéissance aux autorités. Mais ces vérités sont les vérités de la parole de Dieu. Le don qu'il nous a fait, Dieu nous a donné sa révélation. Et nous aimons ces vérités, nous chérissons ces vérités. Nous voulons vivre selon ces vérités. Troisième point dans l'argumentation de Jephté, le point de vue, le point personnel, verset 25. Jephté argumente, verset 25, « Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre ?» On pourrait paraphraser ça dans les termes plus modernes en disant « Mais vous vous prenez pour qui ?» Jephté le rappelle que le roi Balak était plus puissant qu'eux, mais qu'il n'avait jamais osé faire la guerre au peuple d'Israël. Et Jephté leur dit, mais vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Ils avaient une très haute opinion d'eux-mêmes. Quatrième point, le point de vue, le point chronologique, verset 26. Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Si Israël vivait sur la propriété des fils d'Amon, pourquoi n'avait-il rien fait à ce sujet au cours des 300 dernières années? Pourquoi attendre maintenant? Mais parce que cette guerre, c'était le moyen que Dieu allait utiliser pour corriger le peuple qu'il avait choisi. Il n'y a rien de logique à son sujet. Mais la vérité a été révélée. Les arguments étaient solides. Pourtant, petit c, le rejet des faits. L'adversaire refuse l'explication de la vérité de la part de Jephté, ce vaillant guerrier. La vérité, c'est que Jephté et les Israélites n'avaient pas offensé le roi des fils d'Amon. C'est ce qu'il dit au verset 27. « Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. » Les faits révélaient clairement qui avait tort. Mais plus important que les faits, Jephté a argumenté qu'ils devaient tous laisser l'Éternel, le juge, décider. Est-ce que nous avons le courage de laisser des choses entre les mains de l'Éternel? Nous affirmons que nous voulons faire sa volonté, mais quand il est clair que notre adversaire est dans l'erreur, nous nous jetons sur eux avec toute la force humaine possible. Le roi des fils d'Amon démontre qu'il n'est pas vraiment intéressé par la vérité. Verset 28, le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephté lui fit dire. La vérité n'est pas facile. Parfois elle a un prix, parfois elle fait mal, parfois elle nous pousse à admettre que nous avons fauté, et elle nous pousse à la repentance. Mais qu'est-ce que l'on fait avec un adversaire qui n'accepte pas la vérité, même après une explication claire? Comme David l'a dit à Goliath en 1 Samuel 17, verset 47, la victoire appartient à l'Éternel. Si nous mettons réellement notre confiance en Dieu comme nous disons que nous le faisons, alors nous sommes prêts à laisser les questions qu'on ne peut pas résoudre entre ses mains. Et ce contentement signifie que nous avons besoin régulièrement de nous rappeler que nous avons laissé cette question entre les mains de Dieu. Comment les autres vont réagir, ce n'est plus notre problème. Le plan de Dieu était d'utiliser Jephté pour accomplir son œuvre, et c'est tout ce qui compte dans ce conflit. La présence de Jephté en tant que juge en Israël nous rappelle la honte de notre état de pécheur. Le fait que Jephté soit le fils d'une prostituée souligne et nous rappelle combien notre péché a retourné l'ordre établi par Dieu
à la création. Jephthé est un homme qui vit dans la honte culturellement parmi les gens de rien, qui vivent comme des pirates du désert. Et malgré cela, il se lève pour être juge en Israël. Il est préparé pour ce rôle à travers toutes les premières années de sa vie. Et il devient un bon négociateur, un vaillant guerrier. S'il avait grandi dans le confort et dans les richesses, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Sa vie l'a préparé, l'a qualifié pour être ce libérateur. Et Jephthé est une ombre, très pâle, mais il est une ombre quand même du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans le désert, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Il a été rejeté par les siens. Mais contrairement à Jephthé, la vie parfaite et juste en tout point l'a préparé pour son acte ultime, la mort d'un criminel, et l'a qualifié pour sa grande victoire. Mourir en portant les péchés de son peuple, ressusciter afin de pouvoir donner sa justice à son peuple et le conduire dans la paix véritable. Jephthé est une ombre très pâle du Seigneur Jésus-Christ et nous pousse à attendre un libérateur plus grand, plus parfait. Et nous le savons, ce libérateur est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux mentionne Jephthé au chapitre 11, verset 32, dans ces héros de la foi qui nous ont précédés. Et s'il souligne par cela que par la foi des hommes imparfaits, comme Jephthé, ont accompli de grandes choses parce qu'ils mettaient leur confiance dans la puissance et dans les promesses de Dieu, en risquant leur vie pour obéir au commandement de Dieu. Jephthé est loin d'être parfait. On le voit déjà dans ce passage, on le verra encore, Dieu voulant, dans la fin de ce chapitre. Mais la grâce de Dieu est toujours disponible pour qu'un enfant de Dieu fasse de grandes choses pour lui. Alors que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, sur ce héros de la foi, aussi faible soit-il, mais qu'il nous aide à voir les erreurs et à éviter les mêmes erreurs que Jephthé a pu commettre, et qu'il nous pousse à regarder vers notre libérateur, celui qui est parfait, celui qui est qui nous a délivrés de l'esclavage, nous a libérés et a accompli une œuvre de libération totale. Celui qui est qui est le Fils de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci. Et ayant un tel sauveur, un tel libérateur, nous voulons chanter au 197 « Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur ». Et bien entendu, ce n'est pas toute la terre des hommes, c'est en fait toute la création et la nouvelle création, s'égayer. C'est un mot qui est passé un peu d'usage, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que la légèreté amusée générale du monde qui en fait fait abstraction des difficultés. S'égayer, se réjouir au nom du Seigneur, c'est quelque chose d'autre que simplement se réjouir pour quelque chose d'émotionnel. C'est beaucoup plus profond. Chantons au 197. Aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière.
Jésus le Rédempteur. Prions. Ô Seigneur, qu'aujourd'hui la paix descende sur tous tes enfants, et que la paix vienne habiter le cœur de ceux qui ne te connaissent pas, bien que tu les aies connus de toute éternité. Seigneur, nous vivons dans un monde déchu, un monde qui est un monde de douleur, mais parce que ton Fils a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qu'il a donné sa vie, versé son sang. Ô Seigneur, que la paix descende sur ton peuple, et que chacun, là où il est, dans ses situations diverses, que chacun connaisse cette paix, la paix qui vient en Jésus-Christ, la paix qui ôte toute condamnation. Seigneur, que ton nom soit glorifié et exalté par toute la terre, en Jésus-Christ. Amen. Et voilà, un bon dimanche, une bonne semaine à chacun, et nous nous retrouverons, Dieu voulant, dimanche prochain. Merci.